Maître Zboub qui me menace. Le chanteur de variété pour TF1 et France 2. Il vient, il me menace, il me dit, je vais m'occuper de toi, ton cas, et plus si ça, ça. Va t'occuper des gens qui affichent ta femme en string et toute ta famille depuis des années. Moi, j'ai juste révélé un fait. Pourquoi tu as annulé un concert en Tunisie pour soutenir les migrants? Et pourquoi tu n'as pas parlé de l'attaque de ces migrants qui s'est passée au Maroc, dans le pays où tu investis tant? Pourquoi tu as les boules? Parce que moi, je vais être très vulgaire après. Donc, aboie, parle, fais ce que tu veux, chien et chienne aboie, caravane pas. J'en ai rien à foutre de ce que tu vas faire ou de ce que tu vas pas faire. Quand je me suis fait prendre en boule, à l'époque, j'ai des commentaires où tu étais en train de rire face de. Donc regarde-moi bien, encore une autre fois, chanteur de variété, va t'occuper des gens qui affichent ta famille et ta femme. Après, tu viendras faire l'homme. Et tu viendras dire, je vais terminer. Tu termines quoi? Vous travaillez tous pour moi, en parlant de moi. N'oublie jamais ça. Donc voilà. Chante belle, là. Chanteur de variété, s'il te plaît, tu n'es rien dans le rap français, la tête de ma mère. N'oublie jamais. Les vraies légendes du rap français, c'est pas des gens comme toi. Jamais de ta vie, ça. Donc voilà, mesdames et messieurs, s'il te plaît. Reste à ta place, moi je t'ai posé une question juste. Je sais pas pourquoi tu t'énerves. Tu t'énerves. Donc moi n'oublie pas, je vais te tirer vers le bas. Alors, oublie jamais ça. Salam alaikum les gens.